Évangile de Matthieu, chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit :« Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit :« Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si m'adores. Jésus lui dit Retire-toi, Satan, car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus ayant appris que Jean, avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée. Et au-delà du Jourdain.